Bonjour et bienvenue dans ce reportage destiné à présenter le CIRMA. Nous allons nous consacrer aux diagonales. Trois diagonales, printemps, été, automne, sont trois rencontres annuelles autour d'une thématique particulière qui conjugue colloques, sessions pédagogiques et concerts. L'ensemble Organum est arrivé à Moissac en 2001. Donc c'est une grande histoire maintenant, bientôt 15 ans. Et l'idée, c'était d'animer, de faire vivre ce lieu, Moissac, en ramenant à la mémoire la vie musicale qui, au Moyen-Âge, s'est développée ici, à Moissac. Et puis, Moissac comme miroir également de ce qui s'est passé en Europe à cette époque-là. Donc l'ensemble Organum a été fondé en 1982. Et à l'abbaye de Sénanque. Et depuis le début de son histoire, nous avons toujours habité dans des lieux historiques, comme l'abbaye de Moissac, l'abbaye de Royaumont, avec toujours comme objectif de rendre ce patrimoine accessible au plus grand nombre au travers de l'art, de la pensée, de la musique naturellement, comme sur un ensemble de musiciens. Et j'ai créé aussi à Moissac, en arrivant en 2001, le CIRMA, qui est le centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes, avec comme objectif de développer la recherche et la pratique des musiques anciennes pour que chacun puisse se les réapproprier et que ces répertoires anciens reviennent, non seulement dans la mémoire présente, mais dans la pratique musicale. Chaque année, depuis 2013, au début du mois de mai, les rencontres Hildegarde proposent sa musique par des stages et des concerts, ainsi que l'universalité de sa pensée qui couvre la médecine, la nutrition, la spiritualité et les arts visuels. Les journées Hildegarde constituent, avec la session de chant corse, dirigée par Jean-Étienne Langiani, l'occasion unique de découvrir les répertoires traditionnels et sacrés de notre belle île. Trois ans, nous consacrons les diagonales de printemps à la grande figure de Hildegarde, qui est donc une femme qui a vécu au début du XIIe siècle, compositeur, médecin, visionnaire, et qui a écrit le premier traité de médecine en Occident d'ailleurs, et qui a été faite docteur de l'Église par Benoît XVI il y a trois ans. Donc je me suis dit que ça serait bien de créer un rendez-vous pour qu'on apprenne à découvrir cette femme et au travers d'elle, tout ce monde du début du XIIe siècle qui porte en lui encore toutes les traditions du premier millénaire, voyez. Et il est remarquable d'observer comment cette femme qui a vécu il y a 900 ans, eh bien, subitement, elle est revenue sur le devant de la scène, je dirais d'elle-même, parce que ce n'est pas le fruit d'une volonté ni ecclésiastique, ni d'un lobby, je ne sais pas trop quoi. Non, elle est revenue sur le devant de la scène parce que, étrangement, son œuvre touche des problématiques contemporaines. Les diagonales d'été sont une fête de la musique où progressivement se révèlent de nouvelles perspectives qui transforment radicalement l'idée même de festival. Véritable feu d'artifice musical, les diagonales commencent discrètement au début du mois de juillet. Des musiciens venus de tous horizons se rassemblent pour des sessions consacrées à certaines traditions bien vivantes. Chant corse, polyphonie sacrée et traditionnelle des Pyrénées et manuscrits de la Huelgas, immersion profonde dans toutes les sources mêmes de l'art du chant qui trouvera dans la dernière semaine que précède la fête de Saint-Jacques son expression la plus intense. Yeah.
Samedi et les dimanches midi, pour rythmer les diagonales, Marcel Pérez fera retentir les 24 cloches du carillon de l'abbatiale. Le tympan de l'abbatiale, sous son toit pyramidal, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfants avec un spectacle qu'ils ont travaillé toute la semaine. Donc ce spectacle est le lieu de toutes sortes d'expérimentations et d'aventures. Il s'agit de Saint-Jacques enfant à qui nous allons faire vivre des aventures liées au contexte de l'abbatiale, de l'abbaye, du cloître, mais aussi des aventures inscrites dans notre temps. Et c'est ce qui permet de faire le lien entre le passé et aujourd'hui. Les acteurs de ce spectacle, ce sont des enfants qui ont travaillé avec Jodel Grasset et moi-même pendant une semaine. Ce spectacle est d'une certaine manière l'aboutissement d'une semaine de travail, mais c'est surtout un prétexte, puisque l'objectif de cette semaine, c'est avant tout de vivre ensemble, de profiter des merveilles de Moissac, de trouver un rythme de travail dans la journée qui soit adapté au rythme des enfants par le jeu, le travail, les temps de repos, les excursions dans la ville, les promenades, grâce à l'office de tourisme que nous avons pu faire, l'illumination du tympan et plein d'autres choses qui animent et qui jalonnent leur semaine. De la semaine d'apprendre aux enfants des instruments de musique, des mélodies sur des instruments de musique du Moyen-Âge qui sont derrière là. Et voilà, donc tout par assimilation, par à l'oral, et en même temps en prenant les petites anecdotes, tout ce qui s'est passé pendant le stage, de créer une petite histoire, voilà, que nous allons raconter maintenant et que nous avons bouclé avec les enfants ce matin, même juste après manger. D'accord. Voilà, donc après, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Et
escarpadée. Mais on va pousser encore plus loin, hein, si tu veux bien. On va voir si, avec les instruments de musique du XIIIe siècle, vous allez aussi bien vous en sortir. Très émouvant parce que c'est un petit groupe et ils se donnent à fond. Moi je trouve ça, ouais, ça me touche beaucoup. C'est magnifique, comme tous les ans. Notre fille le fait tous les ans. D'ailleurs, elle est en pleurs parce que c'est fini. Donc elle a trouvé ça encore trop court. Et l'année prochaine, je pense qu'elle recommence. Alors, t'en as pensé quoi? Bien. T'as aimé? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? Nous nous retrouvons à présent sur le balcon de l'abbatiale. Un personnage, une dame est venue se glisser entre deux voûtes. Elle possède un drôle d'instrument, une corne à bouquin. Et je vais vous laisser écouter le son majestueux que cela procure en duo avec l'orgue principal de l'abbatiale. C'est cet instrument-là qui est en bois à l'intérieur, donc c'est du bois. Et ces deux petites boîtes sont collées l'une contre l'autre. Et puis par-dessus, bah, j'ai du. Ouais, celui-là il est en cuir, mais il y en a d'autres qui sont en parchemin. Et donc ça, c'est... ouais, en parchemin, donc ça donne un aspect un peu plus marron. Et ça, c'est le cornet, parce qu'il y a la forme de la corne. Et ça, c'est le bouquin. Et le bouquin, c'est l'embouchure, c'est la bocca, en italien, c'est la bouche de l'instrument. Sans ça, bah, non, je peux pas. C'est tout petit, oui. Et c'est même beaucoup plus petit que la trompette. C'est plus petit, oui, elle est très très petite. Ouais. Et si c'est de la corne ou c'est... C'est d'ivoire, ça. Et on a aussi bien de la corne que d'ivoire, que du bois, que n'importe quoi. Et quand je souffle dedans, comme dans une flûte... Oui, ça marche pas. Ouais. Bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais me faire gronder par les sœurs, mais c'est vraiment la vibration de l'air. Et c'est ce tout petit son-là. Ce son-là, qui en fait est amplifié. Et comme le tube est grand, ça me donne des sons plus ou moins aigus en fonction de la pression que je mets ici. Voilà. Donc, c'est... La trompette existait-elle? Oui, 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 c'est plusieurs familles en fait. Et ce cornet, il a été vraiment en famille. Ça, c'est l'instrument soprano. Vous avez le plus petit, le cornetino, plus grand, le cornet alto jusque-là, toujours la même forme. Après, vous avez un cornet ténor. Alors, d'abord, le cornet ténor, qui est en S comme ça. La basse de cornet qui descend vraiment jusqu'au pied, et alors le serpent qui est assimilé à la famille des cornets. Donc, oui, il est recouvert de cuir aussi. Il est recouvert de cuir et en fait c'est vraiment assimilé à la famille des cornets, mais c'est encore une autre famille dans laquelle on retrouve toutes les tailles en soi. Thank you.
Bonsoir. Bonsoir. C'est un concert dont le programme est quasiment improvisé. Nous venons de terminer la liste des pièces il y a 5 minutes. L'idée était simple, c'était de chanter quelques pièces que nous aimons bien de notre répertoire et qui ont toutes été écrites, transcrites par Malcolm Bothwell. Alors c'est le fruit d'un travail de 5 jours avec des participants qui viennent un peu de partout et aussi des habitués d'Organum qui viennent participer à plusieurs stages sur différents répertoires. Celui-là en particulier, il y a deux groupes avec d'une part les chants de la Renaissance qu'anime Antoine Sicot et puis nous notre partie c'est sur le chant corse avec un petit passage par les traditions orales évidemment, mais aussi les traditions grégoriennes, la création et le travail sur les manuscrits franciscains corses qu'avait amorcé il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, Marcel Pérez. Voilà.